spectacle. Invariablement, les films qui sont boudés au Festival de Cannes sont les films d'action américains à grand budget. Vous m'avez demandé, patron ? Assoyez-vous, Cricket. Ok. Et faites pas craquer vos doigts comme ça, ça m'énerve. Alors quoi de neuf ? Un fou furieux du nom de Peasel the Tweezle veut faire sauter la planète. Et quelle est son adresse ? Vous traversez à la nage tout nu un torrent truffé de remous et de requins, ensuite pendu à un hélicoptère par un cheveu et muni d'un tout petit bâton, vous parcourez un champ radioactif rempli de tyrannosaures et de terroristes armés de mitraillettes pour finalement entrer dans le coffre-fort blindé dont le code est le 83355224 pour désarmer une bombe nucléaire qui va péter dans 10 secondes, il y a 450 petits fils de couleurs et il faut couper le bon. D'accord. Pas de question. Vous pouvez répéter la dernière chose que vous avez dit ? J'ai dit pas de question. C'est bien ce que j'avais entendu. Alors voyez-vous, notre homme se situe ici. Mais il est tout petit. Bonjour. Sur la carte peut-être, mais il est plus gros en personne. Cricket, on a un suspect, vous venez venir l'interroger ? Oui, j'arrive tout de suite. Dur à cuire. Pas avec moi. Alors mon pote, t'as intérêt à te mettre à table. Va chier, poulet. Le nom et l'adresse de ton complice. J'ai dit va chier. Il s'appelle Gilles Poitou et il habite au 46 de la Boostify. Merci. Tiens, Cricket ! Salut, Glittleson. Bon anniversaire, mon vieux. Un cadeau pour moi ? Ouais, ouais. Et qu'est-ce que c'est ? Ah, je te le dis pas. Allez, qu'est-ce que c'est ? C'est une surprise, non, non ? T'as intérêt à te mettre à table ? Je vais pas te le dire. C'est une cravate. Oh, ça, c'est trop gentil. Et alors, toujours du boulot ? Ça n'arrête pas une minute, c'est dingue. Ah, je vois. Et ta femme dans tout ça ? Bon, c'est une catastrophe, tu sais. Ouais, j'ai déjà vu sa photo. Bon, oui. Je veux dire notre relation. Allô ? Cricket ? Où te caches-tu, salaud ? Tu ne sauras jamais où je me trouve. Et de toute façon, cette bombe va éclater dans quelques minutes, alors. Te voilà bien baisé. Tu ne pourras jamais me trouver, tu as beau chercher tant que tu voudras, c'est impossible. Salut. Mais comment t'as fait pour me trouver ? J'entendais ta voix dans le placard. Et passez vite ! Il s'est sauvé. Vite ! Non, attends. Arrête. On n'arrangera rien en jouant de la guitare basse et des percussions. Alors courons ! Vite ! Où est-il ? Regarde, il est sur le bateau là-bas qui s'en va. Merde, trop tard ! Je vais essayer de sauter ! T'es malade, tu sauteras jamais assez loin ! Il est fou. Je savais qu'il tomberait à l'eau. Je suis pas tombé ! Putain, il est sur le bateau. C'est le caméraman qui a pas sauté assez loin ! Bienvenue à bord, Cricket. Que comptez-vous faire, espèce de salaud ? Vous voyez sur cette carte ? L'Australie, je vois. Dans 3 secondes, l'Australie ne sera plus sur cette carte. Bandit. 1. Salaud. 2. Monstre. 3. Non ! Merde. Et voilà, plus d'Australie sur la carte. Une belle carte toute neuve. Vous êtes ignoble. Et ce n'est pas tout, j'ai l'intention de rayer aussi la région de Bourgogne. Au revoir les viticulteurs. C'est bien ce que je dis, vous êtes vignoble. Et si vous avez l'intention de jouer les petits malins ? Je peux essayer de vous la jouer, mais j'en connais pas tous les accords, attendez. Non, ce sera pas nécessaire. Les petits malins, oui, oui, ce non, ça sont va. Les petits... Ça va ? Et dites donc, vous avez vu derrière vous ? Où ça ? Heureusement que j'avais cette guitare. Vite, la bombe ! La voilà. Plus que 10 secondes avant l'explosion. Bon, vite. 9. Putain, il y en a des fils là-dedans. 6. Attends, c'est le fil orange, 5, non. Le fil rouge. 4. Non. Le fil 3, bleu avec des petits pois verts. Un petit peu moins de 3. Le fil pourpre pâle. Pas encore tout à fait 2. Ou le pied de poule. Bon, disons 2. Je vais couper celui-ci, tiens. On revient à 3. Ou celui-là. Non, ce sera celui-là. 2 et demi. Bon, j'y vais. 1. Merde, j'ai coupé mon lacet.